بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernier numéro, du premier numéro tout simplement, nous avons fait une sorte d'introduction et nous avons cité un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi d'après Ali ibn Abi Talib et une bribe aussi dans une autre version rapportée par Ibn Umar radiallahu anhuma, où le messager de Dieu alayhi salatu salam nous parle du Coran. Alors, d'entrée de jeu, il dit, en parlant du livre de Dieu, « Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum ». Il vous informe des récits de ceux qui vous ont précédé et il vous informe de ce qui adviendra ou de ce qui va venir après vous. Donc, le défi, c'est-à-dire que nous sommes vraiment à la hauteur de la prophétie ou d'une prophétie qui est sûr ou d'un prophète qui est sûr qu'il est en train de parler sous inspiration divine et qui est plus que sûr que ce qu'il a apporté à l'humanité, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Alors, quand nous parlons du Coran, sachez que le mot « Coran » a deux sens. Le premier est « lire ». Et vous trouverez dans le Coran, par exemple, lisez-en ce que vous pouvez. Il y a un autre sens qui est celui de rassembler ou bien compiler. Et le Coran, justement, est une compilation de sourates. Et ça reste un livre, attention, parce que nous reviendrons au fil des versets sur certaines théories, comme celle de François Desroches, qui est dans son fameux le livre Coran ou bien le palimpseste de Sana'a, où il dit que l'idée d'un livre comme c'est le cas pour les juifs et les chrétiens n'a jamais été de mise à l'époque du messager de l'islam. Le prophète de l'islam n'a jamais eu cette ambition que d'avoir un livre. Ce sont les Arabes qui, après justement la disparition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont décidé d'avoir leur propre livre juste pour ressembler aux gens du livre. Et ceci est tout à fait faux. En réalité, le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam a procédé à une recension des versets, à une transcription du Coran vers la fin de sa vie. Et nous savons même, beaucoup peut-être d'entre vous, en regardant un certain nombre de feuilletons ou de films concernant la biographie du messager de Dieu, comme le messager de l'Aqad, rahmatullahi alayhi, par exemple vers la fin, quand le messager de Dieu fait son oraison d'adieu, nous savons que pendant cette oraison d'adieu, c'était la veille d'un vendredi, un verset a été révélé, il dit « Yawma akmaltu lakum dinakum »« Yawma akmaltu lakum dinakum »« Yawma atmamtu alaykum ni'mati wa akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l'islam adina »« Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai agréé l'islam comme religion. » Et beaucoup ont dit « Hada akhiru ma nazala min kitabillah » C'est le dernier verset à avoir été révélé. Ça ne fait pas consensus chez les savants de l'islam. Nous savons de manière plus que formelle que les derniers versets à avoir été révélés sont des versets qui concernent les successions, le mawarit. Et pour sortir avec un avis consensuel, certains grands savants de l'islam, comme l'imam Suyuti, dans son fameux livre « L'Itran fi ulum al-Qur'an », dit que peut-être que ce verset, « Liyawma akmaltu lakum dinakum », fait partie des derniers versets qui traitent de généralité. Mais le dernier verset à avoir été réellement révélé au messager de Dieu est un verset qui concerne le droit canon et ça concerne les successions. Donc le Coran, durant tout l'apostolat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 23 ans, était révélé en fonction du degré de maturité religieuse qu'atteignaient les premiers musulmans, en fonction des circonstances. Il y a énormément de versets dans le livre de Dieu qui ont des causes de révélation.
Il y a beaucoup de versets qui ont été abrogés. D'ailleurs, le Coran revient sur cela. Nous n'abrogeons pas un verset ou bien nous ne le faisons pas oublier sans en apporter un autre qui est meilleur, meilleur en termes de compatibilité avec la nature humaine, parce que nous partons du principe que la loi canonique a été faite pour que l'homme puisse être en mesure de la mettre en application. Et s'il ne l'est pas, il peut ne pas l'être et il peut même se voir frappé par on va dire, une levée temporaire de l'interdit parce qu'il est dans l'incapacité de se conformer à la loi divine, tout simplement. Entre autres exemples, nous parlerons par exemple de l'incapacité à jeûner pendant le mois de Ramadan pour une personne qui est malade, qu'il s'agisse d'une maladie ponctuelle ou d'une maladie chronique. Donc le Coran était révélé en fonction des circonstances. Par moments, il y a des versets qui ont été abrogés, il y a des versets dont l'aspect, on va dire, juridique ou culturel a été abrogé, mais qui reste dans le texte coranique. Nous donnerons comme exemple le verset concernant le vin. La taqrabu ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Vous qui avez cru, n'approchez pas la prière quand vous êtes ivre jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ce verset n'a plus aucun effet sur le plan culturel ou sur le plan licite. Mais c'est un verset qui existe toujours dans le Coran et que nous lisons. Pourquoi ces versets ont-ils été maintenus? Pour justement garder des traces justement de ce qui a été abrogé. Il y a d'autres versets que vous trouverez dans des livres destinés à un public, on va dire, plus spécialisé, concernant par exemple l'adultère du vieil homme et de la vieille femme, etc. Nous avons des textes qui existent toujours, qui ont été rapportés par les savants de l'islam. Pour ce qui est de l'abrogation, Sayyida Aisha radiallahu anha, Ummul Mu'minin, s'est adressée une fois à l'un des scribes du messager de Dieu, qui est Ubay ibn Ka'b. Dans la manière dont elle lui a parlé, c'est comme si elle voulait le minimiser quelque peu, disant: finalement, tu ne connais pas grand-chose du Coran, lui qui était un connaisseur hors pair. Eh bien, sache que Sourate al-Ahzab, qui actuellement ne compte que 73 versets, était pratiquement l'homologue ou l'égal, ou bien l'égal, pardon, de Sourate al-Baqara, qui compte 286 versets. Donc c'était une énorme sourate qui a, dans une bonne partie, au moins pratiquement un peu plus des deux tiers ont été carrément abrogés, selon ce que rapporte Aïcha, radiallahu anha. Là, il va falloir bien faire attention à ce que pourraient lire certains d'entre vous dans ces livres qui traitent de l'histoire du Coran ou bien des sciences du Coran, ulumul Qur'an, chez les grands savants de l'islam. En lisant ces passages, certains pourraient penser: tiens, le Coran que nous avons n'est pas le même que celui d'avant. Il n'est pas tout à fait celui où il n'est pas complet, parce que le messager de Dieu, quand il a procédé à la recension des versets du Coran, quand il a procédé à la transcription, il ne nous a laissé que le texte définitif du Coran. Et là encore, il ne s'agit pas de falsification. Et je voudrais justement m'adresser à ceux qui, soi-disant, sont des spécialistes en philologie ou des écritures anciennes. Quand vous parlez de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous n'hésitez pas à parler de livres comportant une sagesse incroyable, etc. Et vous passez sous silence tout ce qu'il y a dans ces livres comme contradiction, comme problème d'ordre dogmatique, comme mystère. Et quand vous parlez du Coran, vous oubliez que le texte que nous avons actuellement est le même qu'il y a de cela 14 siècles, alors que je suis désolé autant pour les juifs que pour les chrétiens, ce que vous avez entre les mains aujourd'hui remonte au maximum au 4e siècle de l'ère chrétienne. Vous n'avez rien qui remonte aux sources de vos prophètes et qui sont les nôtres, nous aussi. Donc, il faut faire très très attention à cela.
cette information que je vous ai donnée concernant ce qui a été dit par Aïcha radiallahu anha à Ubay ibn Ka'b, c'est une information que vous allez trouver de manière tout à fait normale dans les livres des musulmans, car les musulmans n'ont jamais eu quoi que ce soit à cacher. Le livre de Dieu est ce qui nous a été légué par le messager de Dieu. Il est ce qu'il est depuis la période même de la révélation. Et nous verrons par la suite que tout cela peut se prouver, même de manière mathématique. Donc le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, a été, on va dire, révélé sur une période de 23 ans. Il y a eu des abrogations, il y a eu des versets qui ont été révélés pour apprendre aux gens comment adorer Dieu, il y a eu des versets qui ont été révélés parce qu'il y a eu des causes qui ont fait que ces versets soient révélés. C'est pour ça que nous parlons d'asbab nuzul, cause de révélation. Quand le messager de Dieu, alayhi salatu salam, peut-être, bon, déjà, nous savons que chaque année, pendant le mois de Ramadan, Jibril, alayhi salam, descendait et lisait le Coran, ou du moins ce qui avait été révélé au messager de Dieu, alayhi salatu salam, dans son intégralité. La dernière année de la vie du messager de Dieu, Jibril est descendu deux fois pour cet effet ou pour cette mission, c'est-à-dire pour relire le Coran dans sa globalité. Et pour ce, parce que nous avons des sourates qui ont été révélées à la Mecque, d'autres qui ont été révélées plus tard à Médine. Nous avons une sourate comme Sourate al-Baqarah qui compte des textes de l'époque médinoise et des textes de l'époque mécoise. Mais nous savons de manière officielle que Omar ibn Khattab, par exemple, récitait avant la disparition du prophète, alayhi salatu salam, Sourate al-Baqarah dans son intégralité. Ça lui a pris 8 ans. Pourquoi 8 ans? Parce que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ne passait pas à un verset qu'il ne récitait pas par cœur sans avoir mis en pratique le verset qu'il avait appris par cœur. Et ça s'est transmis ainsi à l'heure actuelle sur 1 milliard 700 millions et un peu plus de musulmans, nous avons au moins 500 millions qui récitent le livre de Dieu, pardon, par cœur. Et puis sur ces 500 millions, nous avons une élite d'au moins une dizaine ou une vingtaine de millions qui récitent ce livre de Dieu avec tous les modes de lecture dans lesquels il a été révélé. C'est une prouesse. Parce que si vous allez dans les autres religions, vous ne trouverez peut-être pas une seule personne qui soit en mesure de réciter ce qu'elle a comme écriture sainte par cœur. C'est un défi que je lance à tous les non-musulmans. Et je les invite aussi à vérifier cette information. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous poursuivrons la prochaine fois avec l'histoire du Coran. D'ici là, je vous dis astaoudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.